soit bonne ou mauvaise, la Bible nous dit de célébrer le Seigneur. La Bible nous demande de pousser des cris de joie en l'honneur du Seigneur. Ce matin, j'aimerais que vous passiez le temps dans la contemplation des œuvres bonnes que le Seigneur a faites dans votre vie. Ne comptons pas, ne regardons pas sur ceux qui sont passés, sur ceux qui sont tombés, mais regardons sur les bontés de l'Éternel. Et ce matin, je nous dis qu'il y a possibilité d'élever le nom de Jésus. Il y a possibilité de célébrer ce Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Alléluia. Alléluia. Puis vous pouvez le dire, reçois ma louange. La louange qui t'est due. L'adoration qui t'est due. Alléluia. Nous voulons chanter ces chants pour remettre toute la louange à Dieu. Pour tes bons. Et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à
Seigneur. Tu es digne de ma louange. Rien de mieux à te donner, à t'offrir. Rien de matériel, de palpable qui puisse égaler, Seigneur, ce que tu as accompli pour moi. Merci. Alléluia. Reçois ma louange. Merci de tout cœur.